Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. J'ai pas encore obtenu le changement. Mais ça viendra dans la formulation, hein, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens. Et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail. Et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc, si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout ça en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de janvier. Ami Cancer, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince arc-en-ciel et les sœurs des saisons. Vous avez l'opportunité de tourner une page, de passer à un nouveau chapitre. Le prince de l'arc-en-ciel vient vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli. Au dos de cette position, on avait le 6 de bâton. L'heure est au nouveau départ. L'as de coupe qui est centrale ici était au dos de cette position. L'heure est venue de prendre acte de vos victoires comme de vos défaites. Mais on va en parler, je sais, il y a du 5 de coupe. Mais comme toujours, les oracles vous encouragent à avoir le meilleur. Quel que soit le stade, qu'est-ce que c'était? Courant d'air. Quel que soit le stade où vous en êtes, la nouvelle étape, la prochaine étape est là. Et vous devez vous concentrer uniquement sur ça, sur cette as de coupe. Et sur ce qu'il ouvre devant vous comme nouvelle possibilité. On a le fou ici au dos. As de coupe. 6 de bâton, fou. L'heure est très clairement à un nouveau départ, mais le prince de l'arc-en-ciel vient parler de ses regrets. Là. Il vient parler de la difficulté de votre position actuelle. 5 de coupe, reine de bâton, 2 d'épée. Vous êtes encore prisonnier de certains de vos regrets. Alors, le prince de l'arc-en-ciel est une excellente énergie parce que c'est une énergie de persévérance. Mais bien souvent, c'est pas tellement un problème de persévérance, c'est un problème de ressenti. Persévérant, on l'est tous. Jour après jour, vous vous levez, vous vous préparez et vous faites ce que vous avez à faire durant votre journée. Mais l'énergie de regret, ici, 5 de coupe, vient souligner à quel point c'est difficile. À quel point vous n'avez pas trouvé, jour après jour, suffisamment de moments de joie pour vous réjouir de ce que vous vivez. Y a une notion ici de difficulté. D'ailleurs, le 2 d'épée lui-même vient créer une notion supplémentaire de difficulté. Mais il ne faut pas oublier l'as de coupe et le prince de l'arc-en-ciel. Votre persévérance vous a mis face à de nouveaux choix parce que l'heure est à un nouveau départ. La lune, les sœurs des saisons viennent souligner que vous n'avez pas vu arriver, en fait, la fin de l'escalier. Les regrets, c'est parce que vous avez attaqué cet immense escalier
immense, immense, qui monte si haut au cœur de la montagne. Et puis en chemin, vous avez commencé à regretter une idée pareille. Qu'est-ce que c'est fatigant, marche après marche. Alors au début, vous aviez une vision à peu près de l'endroit où vous alliez, mais à force de fixer le point perdu dans les brumes, 5 de coupe. Je commence à regretter d'avoir pris ce chemin. Mais il va falloir rester concentré, parce que la persévérance, c'est ce qui vous a mené si loin. Il faut regarder les choix. Au-delà, la lune, les sœurs des saisons de l'inconnu. Parce que les sœurs des saisons, ici, elle vient parler de ce cycle éternel, de naissance, de croissance, de maturation, puis de fin, puis à nouveau renaissance. Mais forcément, la lune, le karma joue là-dedans. Et parfois, il y a certains cycles de croissance qui sont plus difficiles que d'autres. Et voilà, la maturité, on l'a bien gagnée. Ah bah oui, on l'a bien gagnée, parce que le cycle de croissance était dur. C'était long, cet escalier. Il était très très long. Et il y a forcément de l'appréhension quand les choses changent, quand les choses évoluent. Il va falloir faire taire ces appréhensions. As de coupe, il va vraiment falloir que vous preniez du recul par rapport à ce sentiment de regret qui peut obscurcir vos choix. Mais vraiment, la reine de bâton, alors on a la reine de bâton ici au centre. Sur le 2 d'épée, on a le 2 de bâton, puis on a le page de bâton. Vous avez accompli quelque chose, on avait le 6 de bâton au dos. Vous êtes victorieux, vous êtes parvenu sur le palier d'escalier. Et peut-être que oui, vous réalisez que c'était qu'une étape, qu'il y a d'autres escaliers à gravir. Mais vous êtes venu à bout de cet escalier-là. Maintenant, concentrez-vous. Il y a celui-là d'escalier, puis il y a celui-là d'escalier. Vous voulez lequel? C'est ça qui est important. Vous devez vous concentrer. C'est le propre de la carte des saisons qui vous dit concentrez-vous sur la saison où vous vous trouvez. Faites des provisions, elle vous dit, cette carte. En fonction du seuil sur lequel vous vous tenez, dans la saison dans laquelle vous allez entrer, préparez vos paniers. Préparez vos ressources. Mobilisez vos forces. Mobilisez votre cœur vers ce qui est réellement important. As de coupe, 2 de bâton. Oui, vous êtes sur un palier. Oui, les choix réveillent le souvenir des difficultés. Mais il faut vous concentrer sur ce qui est réellement important, sur ce qui vous a motivé, sur ce qui fait qu'à aucun moment, vous avez lâché la rampe et arrêté de grimper. La spirale ascendante, elle est ici. Non ? Donc, c'est pas le moment de perdre courage. Parce que manifestement, ça a progressé tout doucement. Peut-être que ça a progressé tout doucement, tout doucement. Mais très clairement, vous entrez dans une meilleure phase. Vous entrez dans une phase qui sera plus prolifique. Et c'est à vous de décider de ce que vous voulez que soit cette phase. Très, très concrètement. Ici, le cœur sur la lune devient le soleil. Parce que le bonheur, c'est une disposition d'esprit. C'est je me lamente sur le destin, la lune, et je reste coincé là et je perds mes ressources, ou je trouve un sens aux choses, l'ermite, et je me concentre sur ce qui fait mon bonheur, le soleil. Donc là on a 19, on a le soleil. Là on a l'énergie 3, la créativité. Tout ensemble on a le 21, on a le monde. Il y a quelque chose qui est terminé. Maintenant, il faut déterminer en quoi vous croyez. Qu'est-ce que vous désirez? 10 de pentacle, 3 de pentacle, page de bâton. Nouveau départ, le fou. L'heure est au nouveau projet, sans doute au projet avec les autres, au projet... Là, le 3 de pentacle, il joue le rôle d'une carte d'expansion. L'énergie de 2 est stagnante, le 1, 3. Parce que 1, 2, 3, il est temps de passer à la suite. Page de bâton, fou. Prendre un nouveau départ, aborder cette nouvelle phase.
À mon sens, vous êtes dans la phase de récolte, ça y est. C'est-à-dire que vous avez mangé votre pain noir, et là, vous êtes sur le palier. Alors, c'est vrai que là-bas, au fond, il y a deux escaliers, mais vous pouvez faire des provisions, là, sur ce palier. Il y a plein de trucs pour aborder. Pour aborder la suite. Là, on a la transformation. Et sort des saisons. Vous... Ça y est, vous avez la récompense de votre persévérance. C'est d'ailleurs le sens premier de la carte, hein, compensation. C'est une carte qui vous dit qu'on reçoit toujours pour les efforts que l'on a fournis. Alors, vous avez fourni des efforts. Très bien, pour l'instant, la paye ne le reflète peut-être pas très bien. Mais les sœurs des saisons, le 10 de Pentacle, le 3 de Pentacle, tout vous dit, va de l'avant. Va de l'avant parce que les récompenses sont en route. Mais pour ça, il faut que tu arpentes ce couloir, que tu ouvres les portes, que tu fasses, que tu nous montres un peu ce que tu préfères, ce dont tu as envie. Persévérance, nouveau départ. Les perspectives sont bonnes pour vous. J'étais plus inquiète au départ. Je me suis dit, tiens, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Parce que souvent, c'est vraiment quand je vous parle que je déroule vraiment ma réflexion. On va voir un peu ce qui sort par ailleurs. Et concentrez-vous sur cette nouvelle phase. Et surtout cette nouvelle phase. Le 6 de bâton au dos, c'est pour bien vous dire que vous avez triomphé des épreuves. Alors oui, vous avez sûrement des regrets. Des trucs que vous auriez voulu faire différemment, des trucs que vous auriez préféré avoir de manière différente, ou avoir tout court. Il y a sûrement des regrets. Mais ne prenez pas vos décisions en fonction des regrets. Prenez-les en fonction de la nouvelle situation. La lune, l'essor des saisons. C'est le sens de l'essor des saisons. C'est une carte qui vous dit, concentrez-vous. À quel moment du cycle êtes-vous ? Donc, maintenant que vous savez à quel moment du cycle vous êtes, vous savez ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ce cycle se passe bien et pour enchaîner les suivants. C'est vraiment une carte qui vous encourage à vous concentrer sur la spirale ascendante. En vous disant, quoi qu'il arrive, tu seras toujours récompensé pour tes efforts. Ici, les efforts et la persévérance dont il est question, c'est l'appel que l'on entend en soi. C'est le fait d'être constamment aligné sur soi, de constamment se dire, qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse réussir, qui soit réellement ce que je suis. Donc, soyez concentrés sur ça, et uniquement sur ça. L'as de coupe ici, c'est vous. C'est vous qui, conscient de la personne que vous êtes, de tout ce que vous avez à offrir, commence à l'offrir autour de soi. Et c'est là qu'on rentrera dans du 3. Ce sera du 3 de bâton, ce sera du 3 de pentacle. Ce sera la transformation. Il s'agit de libérer votre créativité. Il s'agit d'aborder ce nouveau cycle en étant bien conscient que c'est un nouveau cycle et qu'il ne tient qu'à vous de libérer littéralement votre créativité. Le propre du page de bâton et du fou d'ailleurs, c'est de libérer la créativité. C'est ce qu'ils ont en commun. Le début de quelque chose de formidable. Alors on va voir la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet « Souscription membre ». J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi que aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos, en fait. Hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur laquelle je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à vos générosités, parce que cette chaîne
privée, payante, forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance. J'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutaient, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, ben, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment que vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.